Premier ministre Ariel Henry en contact avec un groupe mercenaire américain. Groupe mercenaire ça, c'est un grand rival groupe Wagner qui est l'autre groupe mercenaire russe que nous connaissons. Ça te fait quelques bruits dernièrement là, lorsque groupe ça information confidentielle qui te prend la rue, ça manifesté intention li pour entrer dans le pays d'Haïti dans le cadre d'une coopération avec le gouvernement haïtien vin essayer de traquer bandit. Maintenant, selon l'autre information, mesdames et messieurs, il est question que Ariel Henry l'État en contact là avec un autre groupe mercenaire américain. De quoi il s'agit exactement? Restez branchés. Nous allons porter tout détail tout à l'heure comme ça. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de à qui l'orbe qui côté ou pour nous fournir encore une fois entrer la carte nous porter pour toute nouvelle cap dominer actualité tant sur le plan local que sur le plan international. Si vous pouvez abonner à Chanel Grande Puissance là, ou dormi dehors tonton. Mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, ou pour un petit triangle noir ça qui marqué s'abonner en français ou bien subscribe en anglais ou bien inscribirse en espagnol. Cliquez sur lui tout de suite. Cliquez sur cette cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'entendez à tout ou déjà dans la bataille ou pral fournir. Jeudi c'est dimanche 23 avril 2023. Bienvenue dans la première émission nous pour aujourd'hui. Merci infiniment Zami Founijio même qui est branché dans la vidéo ça, qui est like, qui est commenté, qui est partagé. Si vous faites atterrir sur channel ça, pas oublier abonner. Pas oublier quitter un like dans la vidéo ça et dans toute l'autre vidéo nous connaît mode là déjà, c'est fait vidéo ça arriver avec plus passer 1000 likes, 1000 petits doigts en l'air. Ça va coûter rien, ça va pour même une seconde et ça aider channel là continuer piquer pour plus devant. Pas oublier dire nous qui côté on peut voir nous concernant un gros chapeau pour la prochaine vidéo. N'a pas salué chaque grain amis qui pourra regarder vidéo ça du commencement à la fin, qui pourra like, qui pourra commenter, qui pourra partager. Sans plus tarder, on va entrer directement dans le développement d'informations. Nous partis. Qui ça information est, mesdames et messieurs, il y a un journaliste américain qui révélait là que Premier ministre pays d'Haïti Ariel Henry l'État en contact avec une société américaine de sécurité qui c'est grand rival groupe russe qui relève Wagner là. Eh bien, Ariel Henry, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'État même a fait une rencontre avec principal dirigeant groupe ça. Selon un document qui mettait en ligne là par un chercheur, un journaliste américain qui est Jake Johnston, Ariel Henry l'a rencontré il y a quelques semaines avec le groupe Stuart Baker, qui c'est une société de sécurité américaine, ou du moins qui c'est des mercenaires, une société de mercenaires américains, même genre avec groupe russe Wagner. Groupe ça, il était mis en place dans le cadre d'une alliance de la part des Américains avec Sud-Africains. Et groupe ça, il y a des anciens officiers de Pentagone, des anciens officiers de la CIA. Et puis, objectif, c'est rivaliser groupe Wagner là, surtout sur le continent américain qui est en présence groupe ça. Selon un journaliste américain, autorité haïtienne, on a rencontré discrètement avec et chef groupe ça, mesdames et messieurs, qui c'est un ancien général américain. En effet, dans fin mois de mars là, monsieur Wesley Clark, gros général américain ça, qui actuellement en retraite, qui était même arrivé candidat à la présidence pour parti démocrate là, il était contacté pour le ministre de facto Ariel Henry dans lettre l'été voyé pour lui. Il était invité Ariel Henry dans une réunion le 31 mars qui a faite dans l'ambassade pays d'Haïti dans Washington. Selon article ça, mesdames et messieurs, ambassade Haïti dans Washington qui gagne en tête li Edmond Brochit a organisé effectivement un événement dans date qui était 31 mars qui s'est passé là côté que responsable groupe mercenaire ça et puis l'autre acteur dans le secteur privé a été présent dans la rencontre ça. Selon un projet d'ordre du jour qui a été divulgué, eh bien, il y a un lobbyiste qui lui-même travaille pour le gouvernement haïtien. Il a indiqué là que il est autorisé pour le travail pour le compte de Premier ministre Ariel Henry. Eh bien, j'en ai dit ça, événement ça qui était fait le 31 mars, il était géré par l'ambassade d'Haïti. dans le pays les États-Unis et de Monbochit, ambassadeur pays d'Haïtien. Mesdames et messieurs, selon réponse Libaye, alors que journaliste haïtien te contacté lui, eh bien, il n'a pas nié contact ça que gouvernement ou du moins sa premier ministre Ariel Henry, il gagne avec chef groupe mercenaire ça, ou du moins avec groupe mercenaire américain ça, après rencontre ça qui était faite sous initiative ambassade haïtien. Eh bien, monsieur Clark, chef groupe mercenaire ça, chef Stuart Baker yo, il était rendu dans Port-au-Prince côté que il était rencontré premier ministre de facto Ariel Henry dans salon diplomatique aéroport international Toussaint Louverture. Rencontre là, il était confirmé par groupe Stuart Baker et par un porte-parole de Premier ministre Ariel Henry. But discussion, c'est une initiative potentielle pour réformer la sécurité dans le pays d'Haïti. Ça que responsable Stuart Baker il était fait qu'on est alors que gros bris t'es couru dans jour qui saute passé là que mercenaire oui sur ta même guettant sur le terrain dans pays d'Haïti. Eh bien un journaliste chercheur américain ça les divulguer information ça là qui baille évidence que Ariel Henry effectivement li en contact avec groupe mercenaire américain ça yo pour ta baille mes fautes dans question dans dossier combattre insécurité dans pays d'Haïti. Dans un entretien que l'été gagné avec ambassadeur haïtien dans Washington Edmond Bochit, un média haïtien t'a posé la question, il t'a dit non cité dans un article côté que journaliste américain ça a révélé que Ariel Henry est en contact avec société américaine de sécurité ça qui c'est rival groupe Wagner. Est-ce que ou un commentaire à ce sujet? Ben ambassadeur Edmond Pat fait commentaire, il était seulement répondre moi pas un commentaire pour le moment, mais les pattes nié ou du moins les pattes démenti information. Et bien média t'apprend la poser ambassadeur à question encore le t'apprend dit est-ce que t'as gagné une part de vérité sur enquête journaliste américain ça journaliste là qui relève Jake Johnson qui ça ou même ou connaît de révélation ça yo c'est question ça que yo t'es posé ambassadeur et média t'es continué pour lui interroger ambassadeur alors que il te dit est-ce que ça t'a voulu dire que avec présence éventuelle de militaires qui t'a de mercenaires qui t'a recruté là par gouvernement ça capable bail résultat pour pacifier pays avant même que élection au fait. Eh bien Edmond Bochit t'a pral répondre que ainsi c'est ta yon bagay comme ça li pa t'a reproché en lien avec premier ministre Ariel Henry en tant que responsable sécurité de tout citoyen haïtien et puis étranger qui vivent dans pays. Ariel Henry gagné dans prérogative li pour lui explorer toute avenue, toute possibilité capable d'aboutir avec bail sécurité dans le pays, rendre Haïti plus vivable pour tout le monde et puis attirer investissement étranger direct pour création massive d'emplois. Donc c'est ça que l'ambassadeur haïtien te répond, monsieur là, il n'a pas démenti information hein, visiblement. Mesdames, messieurs, à qui ça, contact ça, pral abouti, est-ce que réellement il y a une velléité? Ou bien est-ce que réellement ça a déjà fait? Ou bien est-ce que ça a fait? Est-ce que le gouvernement pour aller embaucher là des mercenaires américains, groupe mercenaires américains ça, en lieu et place de groupe Wagner qui au même voulu entrer dans le pays d'Haïti tout pour venir traquer bandits? C'est tap yon bon bagay d'après ou même ou bien c'est pas tap yon bon bagay? Quittez ça penser dans commentaire yo. Entre-temps, n'a pas suivre dossier, n'a toujours qu'un béo informé. Tout cause bon vous parler, tout cause bon vous parler. Et qui cause dans Kaila. Alors, semaine passée, moi t'ai parlé nous de paroles qui liées avec Wagner. Wagner qui c'est groupe mercenaire ça que la Russie gagne avec son bras armé en fait yo gagne qui sont armes d'influence, yo gagne pour yo positionner yo auprès d'un certain nombre de gouvernements. Eh bien oui, Ron et pas grand qui fait qui va parler, pas grand petit côté secret pas exister. Alors moi les secrets bon mot qui existe. Et gon seul mot qui existe c'est ou pour connaître. Ah oui, yo pour connaître c'est moi ça. Bah yo les secrets pas exister parce que là connaît on les quand même. Et depuis il y a deux monde là dedans les trop pour garder au secret. Ça c'est un. Mais États-Unis dans genre système nan yé a fait que donc il très possible pour connaître un certain nombre de activités puisque ça concernait deux pays, les États-Unis. Eh ben oui, Ariel Henry t'es rencontré responsable yon groupe nan défense, oui, un groupe défense qui relève tout Baker Defense. Eh ben oui, après que yo te recevoir lettre général américain ça c'est Wesley Clark qui c'est président groupe défense qui relève tout Baker là qui t'est adressé à premier ministre là, eh ben t'es une rencontre secrète qui t'est faite, on rencontre en cachette qui lui-même t'est faite non et qui t'est faite non et airport Maïgate à dans salon diplomatique airport là. C'est-à-dire pas de besoin de dehors qu'on est moun ça toujours pressé. Oui, moun ça toujours pressé et yo pas de temps pour yo dehors ensemble. Oui, depuis gen bagay k'ap parler, yo tout parler là en avancer ensemble. Et qu'on s'allie. En tout cas, responsable groupe défense ça qui pas de ka joindre premier ministre Ariel Henry qui pas monter Washington dans rencontre que yo t'a fait, eh ben Will te lui même vini en Haïti et c'est dans airport là, dans airport Maïgate en secret donc yo te rencontré avec premier ministre Ariel Henry pour te parler causer pas yo. Avant de ça, on te parle, premier ministre, sans cachette, contre la défaite, premier ministre, va te sortir communiquer. Mais on connaît, nous-mêmes pas, bon, ici, nous, c'est grain promené. M'a salé toute grand étoile, qui m'a pas encouragé de travail là, grand étoile, ouvert qu'on nous en bas live là. Eh ben oui, toute grand étoile, qui a pas encouragé de travail là, nous saluons. Eh ben, ça, nous comprendre, c'est que, il y a des bagailles qui pas secret aux États-Unis pour une raison pratique. Parce que les États-Unis, il y a une loi, notamment, loi fonctionner avec des gouvernements étrangers. Si on fonctionne avec un gouvernement étranger aux États-Unis, eh ben, faut qu'on disclose ça. Faut qu'on fait moun kon ça, zaman. L'aime dit moun n'est pas tout public, non. Mais on connaît moun qui est intéressé dans dossier ça, yo. Nous-mêmes n'a cherché. Oui. Nous-mêmes n'a cherché, n'a kon ça pour nous chercher. Parce que nous-mêmes, ils sont moun éclairés, nous, y. Est-ce qu'on t'a dit Patrick Pierre, zami, pam, kap lagi, étoile en bas live, là, m'salue. Alors, bat bravo, Patrick Pierre, zami, pam, kap lagi, étoile en bas live, là. Eh ben, oui. Ça qui passe, zaman. Nous devons comprendre que États-Unis donc gain de loi qui régit bagay yo et loi qui régit bagay yo et ben permettent que ou qu'on ait quelques petites données et ben oui c'est-à-dire responsable Studebaker pas cap écrit gouvernement étranger pour offrir service à gouvernement étranger sans que ou pas rapporter ça et ben oui gain ça tout ensemble sans que ou pas rapporter ça faut rapporter ça Patrick Pierre c'est Haïti qui son pays PI premier ministre gain quatre ménages nous pas connaît et ben vrai PM oui et ben dans fin mois de mars là Wesley Clark, qui est bien non ça? Wesley Clark, c'est son général, donc son ancien militaire au général 4 étoiles. C'est-à-dire, il y a un ancien pyro gradé, l'armée, les États-Unis, qui joue aujourd'hui à la retraite. Monsieur Tout, qui c'est un ancien candidat à la présidence. C'est-à-dire, c'est pas on est petit, m'a parlé de Wesley Clark, général Wesley Clark. Clark là, c'est C-L-A-R-K. Eh bien, monsieur t'est rencontré premier ministre de facto Ariel Henry. Clark, qui lui-même t'a écrit Ariel Henry, avant ça, en tant que président, organise défense que relève Studebaker Defense Group. Alors, Studebaker Defense Group, là, c'est un gros ton groupe défense dans le pays États-Unis. Alors, moi, le groupe défense, mais le dans défense seulement, il y a mercenaires tout. Ça, les mercenaires, alors, me songer, l'homme écrit pour Wagner, et puis, il y a deux nègres qui viennent jouer parce que m'écrit groupe mercenaire Wagner. M'oblige chercher un dictionnaire la hausse. Alors qu'on est, donne la tout sous un. M'cherche un dictionnaire la hausse. Et puis, m'tou baye, m'sieur, mes définitions mercenaires. Qu'on y a, m'sieur, baravine, bonne pression encore, dans parole là, m'sieur, tu oui, m'pas comprendre. Pour qu'il s'affaire d'un dobété mercenaire. Et pas faire d'un dobété mercenaire. Moyo, gen moyo. Non yo, yo gen signification yo. Evelyne Chouloutou en bas live là, son étoile Leslie. Ou qu'on tombe, ou pas content, son étoile, Evelyne Chouloutier. Ils sont ti étoile, Kounia. Longtemps, les affaires, t'es bon, le t'es grand étoile. Kounia, là, ils sont ti étoile. Patrick Pierre, ou en zone, Patrick Pierre, son étoile, son grand étoile, live, là, li. Ou qu'à content, ou qu'à pas content, zaman. Patrick Pierre, c'est étoile, live, là. Ou qu'à content, ou qu'à pas content. Evelyne Choulout, c'est étoile, live, là. Étoile, à son monde qui bat étoile. C'est-à-dire, non, yo, yo, une signification, yo. Juni, la guerre, lui-même, son partage, li. Li partage, live, là. Son brave, li, el bat bravo. On l'aide bon saut de voix et numéro là, m'en débêté 1000 $ pour lui. Et après, je dis petit frère. M'en débêté 1000 $ pour on l'aide bon. Pour qu'il s'appelle, c'est son brave, il y a un live là. Il remet pas de bravo en bas live là. Le vieux titre, yo, les moun yo, non yo. C'est-à-dire, moun nan si le mercenaire, li mercenaire. On mercenaire, c'est un moun qui te apprenne l'art militaire, qui bral vendre l'art militaire, ça pour l'argent, à un pays pas pays pal. C'est ça, ou les mercenaires en même. Mercenaire, c'est pour l'argent, le travail. Ou ka content, ou ka pas content, mais si moun n'a travaille pour l'argent, li vend l'arme militaire li gen pour l'argent, eh ben, oui, c'est yon mercenaire. C'est-à-dire, bah, un problème yon gen avec un groupe non pays ou bien l'autre pays, yon le mercenaire. pour moun sa autour on parler de mercenaires pour qui ça mercenaires parce que ils vendent service ça colombien yo qui te vinn touyer Jovenel là c'est mercenaires yo. L'autre mercenaire américain que Jovenel Moïse t'a acheté pour voir Jovenel là t'a acheté c'est mercenaires yo. C'est-à-dire Jovenel Moïse t'a vinn à mercenaires en Haïti tout. 7 moun yo t'a arrêté dans l'aéroport yo, c'est mercenaires yo t'a arrêté. Yo te vinn passer aller dans l'aéroport là facilement alors que yo te sous arrestation ambassade américaine de faire la veille yo, c'est mercenaires yo. Ça c'est des gens qui ont des compétences militaires, qui viennent dans le pays, viennent font travail privé. Ils relèvent ça mercenaires. Donc, des mercenaires qui viennent touyer Jovenel, mais Jovenel Moïse, tout est des mercenaires pas le tout en vent. Mercenaires étaient mercenaires en même, c'est mercenaires. Jean-Bertrand Aristide, t'es des mercenaires, tout t'as balle sécurité. Les Jean-Bertrand Aristide, t'es président. Mercenaires, et les mercenaires. Ou bah, ouais, en même, les ravines pour Aristide, blanc, il dit, yo stand down, c'est mercenaires, ou bah, Aristide. Aristide te gen blan ta bal sécurité. Est-ce que nous ba ouais yo vinn prendre? Aristide, est-ce qu'on t'en était gon bal tiré? Non. Job mercenaire, mercenaire pas vinn mourir la kay moun. Mercenaire vinn travail pour le prendre cobli, pour le toucher, pour l'aller. Ou ben colombien ou c'est pour $3000 yo té là. Emmerdez les monde. Mercenaire vinn travail pour le prendre cobli pour l'aller, mercenaire pas vinn mourir pour moun. Sou quoi menti mande Mouammar Kadhafi. Et te gen plus mercenaire. En avance tout. Eh ben tout Baker Defense Group là. Eh ben son groupe lui-même selon ça, yo dit de tête yo, qu'a proposé une formation opérationnelle spécialisée. Ça y gros français. Ça y dit qu'a ba au service mercenariat ensemble. Et y a vendu tout équipement à technologie qui lié à défense et l'armée à divers gouvernements yo écrit légitime. Alors m'pa konn si c'est yo même qui a décidé qui gouvernement légitime ou pas. Alors pas bien gouvernement Ariel Henry a pas légitime. Nous geta wè menti a gouvernement Ariel Henry a pas légitimité. On légitimité ou tirer le peuple dans le pays ou tirer de la loi dans le pays. C'est pas la loi qui met le gouvernement Ariel Henry, c'est pas la loi qui fait le légitime. Donc il va légitime. Donc vous êtes d'accord, son publicité que Studebaker a fait. Et bien Studebaker Defense Group là, les dit, et c'est lui-même qui a parlé pour tête, il va moi-même qui a parlé pour lui. L'a proposé donc une formation opérationnelle spécialisée. C'est-à-dire la vente mercenaire. Et ça veut dire tout. Studebaker dit li apprécier statut enregistrement auprès de autorités gouvernementales et la conformer pleinement à réglementation internationale stricte, y compris réglementation sous trafic ZAM qui gagne ITAR. Studebaker Defense, c'est une société qui a produit et service clé en main. C'est-à-dire qui a tout vendu au monde. La vendu aux amis, la tout vendu au monde tout. C'est eux qui parlent de tout. Il y a des services clés en main. L'homme dit clé en main, t'as comme moi-même, on va chauffer. M'acheter machine, non, je dois acheter là tout chauffer. Oui, bah, il va facile. Je dois acheter machine là tout chauffer. Et bah, machine là, nous, elle a pédalé là, nous, elle m'a conduit. Nous, elle m'a conduit, non, m'a conduit tout. Eh ben, Studebaker dit, ils sont sociétés de produits et services clés en main, avec solutions, représentation et chaînes d'approvisionnement aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique, en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. C'est dans la zone ça où ils représentent. Les informations, le bail là, c'est des instructeurs, c'est-à-dire des anciens militaires qui font, qui gagnent agents, qui sont des anciens agents très supérieurs dans le renseignement, c'est-à-dire qui travaillent pour service espionnage. Les autres services de renseignement, c'est service espionnage. Et opérateurs de niveau 1, qui ont même travail avec un pile organisme local et international pour appliquer la loi. Et c'est militaire, en pile là-dedans, qui n'a cadre opération. On militaire, qui a touché pour le faire opération. On l'autre côté, ils sont mercenaires. Ok, tout? Pour ça, te répondre une question pour Wagner, là. Bon, ça, pour ça, son groupe américain. Pas moyo, c'est moyo, ou karemen, ou kabaremen. Je le tombe sous, le tombe sous, je le tombe contre, le tombe contre. Par exemple, ça m'a dit, il m'a dit, m'a qu'on mange dans bol bon, là, j'ai pas qui gade, ça n'a qu'à confirmer pour moi. M'a qu'on mange dans bol bon. Yo dit donc, dans cadre opération, projet et initiative formation que militaire ça yo kabor, alors même si militaire m'a parlé des mercenaires, bah écrit mercenaires même si des mercenaires n'a parlé qui impliquait sauvetage moun yo prend en otage, technique de combat, donc qui gens pour moun goumen, lutte contre contrebande, lutte contre piraterie, infiltration, c'est-à-dire faire opération dans des zones qui va sous contrôle ou contrôler frontières, formation dans pays autre là. Et programme sécurité privée. C'est type de service ça que groupe défense ça dit le bail. li bay service pour l'État qu'a joindre militaire qui pour former militaire la Kaili pour aller faire infiltration pour lui, pour aller lutter contre contrebande, pour aller contrôler frontières, pour aller sauver otages. Yo dit ce type de formation ça yo que yo bay. Studebaker Defense Group, eh bien, il dit, il est composé d'une équipe dynamique qui appuie sous expérience dans la communauté renseignement. C'est des anciens tout des forces spéciales, c'est-à-dire Delta Force, Navy Seal, des anciens Marines, des anciens de Mossad. Oui, moun qui gagne contre zam, moun qui contre zam yo. Oui, moun qui contre zam yo. Des moun qui font tout dans contre terroriste, c'est-à-dire des anciens agents et yo les ça au green plein dans la Tibonite. Moun qui font tout dans narco-terroriste, c'est-à-dire terroriste qu'il y a avec drogue. La lutte contre la traite des comment pour yo sauver moun yo kidnapper. Moun kap goumé contre prolifération et moun kap fait opération influence et contre influence, c'est-à-dire moun kap déstabiliser gouvernement ou bien moun kap contrer opération déstabilisation gouvernement. Ah oui oui. Ça veut dire faut m'ba nou avec définition pour nous tendre bien qui service espionnage, donc opération de déstabilisation tout comme opération de contre-espionnage. Est-ce qu'autant des amis pam Patrick Pierre ou même kap lagué étoile en bas live là, mais ça groupe l'a dit de tête li. Eh bien, responsable groupe ça, t'es écrit monsieur Ariel Henry. Ariel Henry, nous connaissons qui wa en Haïti. Nous connaissons qui dit comment wa. C'est là le président sous tête, le premier ministre, le chef de gouvernement, le chef des bobottes des mesdames, le chef de beaucoup de choses. Tout instance concerné, c'est instance Ariel. Instance concerné, instance Ariel. Territoire perdu, Ariel qui perdu. Ah, nous va qu'on cause. Territoire perdu, Ariel qui perdu. Ah, t'as l'été, j'aime bien mon mari dans la zone. Non, mon chef, pas mon mari, non, faut marier lui. On avance tout. Ariel papa qui met Ariel qui met causer hein? Ariel met question, c'est Ariel qui a fait causer ici ti moun. Zami a dit me sorti me là. Autant de grand moun bal dans radio dou le perdi, ou connait le perdi déjà, qu'on a le perdi encore. Eh ben double sim gonia. De autant de moun bal dans radio le perdi déjà, le dou le perdi encore. Ça dit la peine perdi, mais si la peine perdi, qu'on a faut le perdi l'autre côté, le pas perdi même côté à zaman. Il pas qu'on perdi même côté à des fois. Donc vous comprenez zaman, c'est sur les territoires perdus. Ariel lui même c'est perdi, la perdi moun. Ariel Bouké perdi moun, Ariel double sim tout. Ariel Bouké perdi moun en avance Ariel. Et bien, fin mars, Wesley Clark, qui c'est général américain 4 étoiles à la retraite, ça, qui c'est ancien candidat à la présidence, et bien, il t'a écrit PM de facto Ariel Henry. Clark écrit, monsieur, en tant que président Studebaker Defense Group, là, qui c'est un groupe, donc, aux États-Unis, qui travaille dans cause sécurité, qui vend mercenaires, qui gagne la donne des anciens responsables de l'armée États-Unis, des anciens responsables de la CIA dans Rani. Et ils ont invité Ariel Henry pour Ariel Henry qui a venu dans une réunion dans Washington DC le 31 mars 2023. Alors nous connaissons Ariel Henry, pas moun qui tellement qu'a voyagé, est-ce qu'autant de Patrick Pierre qui a plagué étoile en bas live là. Eh bien, mais ça l'est là dit Timon. Alors on est qui va le Fernando pour qu'ils soient fouillés comme ça. Alors on va fouiller zone Kalalou, non? Même pas quitter des gens d'Haïti à Banougola, mais oh, et colonne moi nous, une série d'informations, m'ka parler, ça m'ka parler. M'a dit nous on continuer laver mais nous. Depuis tantôt me dit me laver mais nous. Et continuer n'a continuer. Il causer ça autour de nous. Et bien dans lettre ça que général à la retraite Wesley Clark écrit en tant que président groupe défense Studebaker, li voye by PM Ariel Henry. Alors lettre là pour qui ça me gagne lettre là parce qu'il était obligé de dire ça aux États-Unis en raison de ça les Foreign Agent Registration Act. C'est-à-dire, si on a aidé des gouvernements étrangers ou aux États-Unis, ou obligé de dire ça avec gouvernement états-unien, que vous prenez un contrat avec tel gouvernement étranger, ou prenez vendre tel gouvernement étranger, ou chercher et détruire le gouvernement étranger. C'est-à-dire, bagaille ça, c'est bagaille qui sensible aux États-Unis, faut regarder les, ou me font passer sur quelques causes. Ou autant de causes là, ou ouais, 50 commentaires faits en bas là, sur causes, ou me dit en avancé, il y a des dossiers, ça retire trop lourd. Oui, dossier ça retire trop lourd. Sous quoi menti allemand des Brass Michel. Par contre, si vous avez la compte Brass Michel, monsieur a jugé la semaine ça, dans Washington DC, parce que monsieur était en contact avec des autorités pays la Chine, notamment des espions pays la Chine. Bah, il va facile les États-Unis, bah, ça a eu un grand code là, il y a eu un grand lame de prison là, d'ailleurs. C'est-à-dire, l'on a bah, ça a eu faut traverser la ria. Regardez, les mouns n'a pas les choses. Il faut pas dire tel bagaille. On avance tout, on avance. Oui, la ria m'a dit avancer. La ria m'a dit avancer. Ou, font avancer. Eh, m'a bien parlé, majorité mille fois. Oh, major, il faut l'or, là, faut pas tout corps. Gardez les amants, ou dit en avancé, ou faut râler quoi, amants. Gardez cause, cause, trop lourd. Au cause, trop lourd. Adle Damas dit Fernando Cosé ou renouvelé papa. Oui, Adle Damas, gardez l'ordi. On a allé ça maman. Et mais ça qui passe. Monsieur écrit Ariel Henry, mais ça le dit dans lettre là. M'a invité vous rejoindre nous dans événement ça et m'espérer gagner des discussions avec vous concernant ou attendez Patrick Pierre étoileur de ce live qui c'est plus grand étoileur grand ba live là. Ben Berlus bat bravo pour lui, pas étoileur boy ici bat bravo pour nèg là. Concernant initiative potentielle réforme secteur sécurité en Haïti. C'est pour ça monsieur t'ai invité Ariel Henry. L'invité Ariel Henry pour Ariel Henry ka vinn joindre ni pour ka discuter avec Ariel Henry sous initiative yo capable gagner pour yo ka réformer secteur sécurité en Haïti. C'est ça général à la retraite là, t'es écrit dans lettre ça. Li dit nous espérer capable accueillir dans un dîner privé. Ariel Henry t'a pral dîner à Grand Blanc, Ariel Henry rondel mal pour déplacer, la fait le petit dîner ça. Ariel Henry même mangeable. Dans dans soirée 31 mars là, si vous disponible, c'est-à-dire t'as rencontré Ariel Henry en privé. Alors Ariel Henry pas de Cali Washington DC, mais ambassade là donc t'es organisé un événement, m'a parlé de mettre ça au bokchi de bon. On avance, on va donner ça les mots. Ambassade là donc t'es organisé un événement 31 mars côté des responsables tout Baker et l'autre acteur dans le secteur privé à tes présents. Et yon un projet d'ordre du jour yo. Eh bien oui, t'es gagné donc faut parler en même de parole ça. Parole ou bral di yo, et Ben Berlus qui va nan cause bat bravo pour moun li, même Ben Berlus dit mais étoile, m'a Evelyn Choulout, m'a nan bat bravo pour moun. Et faut parler cause ça, chaque fait cause ça au grand public parce que faut diffuser ça by gouvernement dans Foreign Registration Act là. Ça faut dire en même ou apé donc gouvernement étranger, faut parler en même. En tout cas, gagne tout on lobbyiste que nous connaissons pile en Haïti parce que monsieur était cité dans dossier Clinton, dans dossier mine. Alors, dossier, ça m'a pas vide là, pour l'autre raison. Bah, il va facile, l'autre, c'est bon. J'ai dossier Clinton, le dossier mine, on va songer, mais si nous va songer, on avance. Oui, moi-même, bah, toute cause au parler, non, ça m'a, il y a des causes au fond, bosser, ou continuer. Et bah, il va accepter dans les États-Unis, bientôt, il manque tout ça. Et ben, lobby, ça, qui c'est Angelo Viard, et ben, monsieur, t'ai déposé des documents, dans mi-temps mois de mars là, qui indiquaient que il t'est autorisé pour le travail, pour premier ministre Ariel Henry. C'est-à-dire, l'op travail pour gouvernement étranger, ou qu'on est faut dire des bagailles en même à gouvernement là, pour qu'on cause là. En tout cas, document ça dit que monsieur Viard, qui lui-même son homme d'affaires haïtiano-américain, et monsieur tous ces anciens PDG, VCS Mining, qui lui-même t'a dit, selon ça, il t'a dit, ou il t'a dit, lui effectuer travail sous base volontaire, et c'est lui-même donc qui t'a regardé comment il t'a organisé rencontre entre Ariel Henry et acteurs dans le secteur privé à année passée dans Miami. En tout cas, nous connaissons aux explorations minières VCS là, bah, ça te fait la une des journaux aux États-Unis. Lorsque gagne Tony Rodham, nan, monsieur son petit frère Hillary Clinton, qui était siégé dans le conseil d'administration. Groupe là. Nous ne sommes pas ça? Eh ben, nous allons oublier tout bagaille, Timon. Gros type cause, si nous oublions, ben avance. En tout cas, il y en a un point qui était à l'ordre du jour, réunion 31 mars là. C'était présentation et on séance question-réponse avec Roxane Alozia, qui c'est directrice développement commercial dans le US International Development Finance Corporation, DFC, qui sont entités gouvernementales qui associent la secteur privé puis qui a financé des solutions à défis plus critiques que des pays en développement confrontés selon sa site internet dit Timoun. Et tout laver mais nous, on avance. T'es gagné tout présentation. Groupe Samoin dit nous que Général Clark a dirigé, qui c'est Studebaker. Studebaker là, son groupe, qui est dans le domaine militaire, industriel, qui est dans le domaine de Vanzam, qui est dans le domaine tout, et dans le mercenaire tout. On avance. Gagné tout présentation HWS. Gagné tout présentation Manuela Financial Corporation. Gagné tout présentation Sidwell Capital. Et puis, Félix Fond, alors, bon, salut aux amis. Et les amis, moi, fait pas, ancien ministre, moi, Bokchide de moi, salut, Bokchide de moi, nous, monsieur, son ambassade permanent dans Washington. Combien de fois nous, Bokchide de moi, dans Washington DC? Nous, gouvernement tombé, président mouri, premier ministre changé, Bokchide de moi, tout chef dans Washington. Ou bah, me dit, tout Bokchide de moi, qui a plus contact dans les Washington? Ah, ou bah, vous comprenez? Bokchide vieux, n'est-ce pas me dire? M'ba parler cause Bokchide, n'est-ce pas me dire? Bokshit est vieux colonne. Je ne vais pas aller causer Bokshit. Est-ce que nous avons un Bokshit depuis Bokshit qui tout le monde dans la pays? Ok, combien de monde qui n'a job pilote qui Bokshit? Après, et où est-ce que combien de monde connecte dans job pilote qui Bokshit? J'ai job Washington dans sensible. Ou Bokshit est de bon faire aller retourner Washington d'ici. Ou qu'elle va comprendre. Il était ministre, il était un monde fonti qui est béboulé. L'elba ministre, il tourne Washington d'ici comme ambassade. Eh Ben Berlus, eh Roseland Baptiste. Il y a des bagailles, faut t'en dire tout, il y a des gobailles, ou à comprendre qui ça? Bokshit est de bon soleil qui est comprendre, papa. Bokshit est de bon là, on est qui comprendre, monsieur, papa. Monsieur Lelvin dans Washington d'ici. Les gros gens gèrent tête, les papa. Le chita avec mon boule chita, le parla mon boule chita, il cherche qu'on travaille tout. Emmerdez les monde. Président Mouri va dire Bokshit est de bon, il va perdre poste là. Ah, oui, ministre Mouri là-bas, ça va garder Bokshit est de bon. Claude Joseph Mouri, qui garde Claude. Ariel Henry Mouri, qui garde Ariel Henry. Jovenel Moïse Mouri, qui garde Jovenel. Monsieur bien chita, monsieur bien chita, le contact goble. Et ça, il ne va pas les causer. Bokshit est de bon, partagez live là, s'il vous plaît. Bokshit est de bon, a fait pas. Monsieur ministre, oui, mon ancien ministre. Oui, Bakari, non? Aïe, Bokshit est de bon, ouais, bon nèg, ouais, m'a formal. Oui, m'a fait Bokshit est de bon mal, non? Monsieur bon nèg, monsieur. On l'a Bokshit est de bon fâché. Peut-être on va me parler dans la radio. Monsieur, fait me venir travailler 3 mois sans payer d'affaires étrangères. Vous entendez, c'est bon? Je travaille 3 mois sans payer, d'affaires étrangères, je vais me démissionner. Je travaille 3 mois sans payer, oui. Bokshit est bon, Bokshit est bon, dit non. On va faire l'autre travail là, sans même. On va faire un petit parole en faveur du gouvernement. Je dis Bokshit, mes amis, t'as dit, non, papa, mais là, je vais me garder, je ne vais pas parler pour le gouvernement. Je ne vais pas parler pour le pays, je ne vais pas parler pour le gouvernement. Et oui, causez à Tiboun. Bokshit est bon, elle est possible de problème 34 000 gouttes. Ou bien, combien comme t'as touché 34 000, les amis? Ou 34 000 gouttes t'as touché. Bokshit est bon, elle est possible de problème 34 000 gouttes. C'est-à-dire, l'elman depuis, et ça, oui, et comment les bails, ça, on baille sans solde, oui. Mais, on baille sans solde, puis au bon, donc, puis on va payer. Donc, c'est sanction sale, contre moi. Parce que je parle contre le gouvernement. Je dis, mes amis, Bokshit est bon, elle est fou. Bokshit est bon, elle est possible de problème 34 000 gouttes. Elle est possible de problème le bado. Mais, bah, problème, les sanctions finies, ma vie, monsieur le ministre. Oh, m'passe le caca, comme m'passe le caca. Bon, son caca, tu es lié, m'passe le caca. Bon, si t'as son caca, tu es lié, m'passe le caca, ça bon, ça m'balle de la, ça bon. M'dile, les sanctions finies, n'a vini. Ou, t'allez. Qu'on y a pour m'balle 10 paroles en faveur gouvernement. Oui, pour m'balle 10 paroles en faveur gouvernement, si bon, qu'on s'en faveur pays pour m'baller. Qu'on y a sans faveur gouvernement pour m'baller. Qu'on y a gouvernement en Haïti, y a 20 votes. Après que les causes mauvais vote pour me dire c'est mauvais vote yo. Ah mon cher, m'bara fait bail comme ça mon cher. Au gouvernement m'a vendre vote. Kounya pour me laguer bagaille mauvais vote. Kounya pour me dire gouvernement bien voté. OK m'la. Devant j'aime gouvernement mal voté ti moun. Kounya pour me paraître dans Radio Caraïbe pour me dire gouvernement bien voté. Pour me paraître dans télé nationale pour me dire gouvernement bien voté. Eh ben ti moun, maman mettre casser cou, on parle de grand mettre casser cou. Et ti moun parle de grand mettre casser cou mon cher, grand pas mettre tout yem. Grand pas mettre casser cou. M'bakari nos amis. Je ne vais pas essayer de oui. Qu'on a dit oui, mais souragez Bouchou et n'a. Voilà, mesdames et messieurs, c'était pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à une prochaine vidéo. Nous et mon pile. Ciao, ciao. À la prochaine.